il est d'installer un kiosque ouvert aux associations ou aux habitants souhaitant faire quelque chose au sein du parc. Pourquoi on a cette idée-là? Sur Anza, il y a deux grands parcs, le parc d'Empierre, le parc Mathieu. Le parc d'Empierre a été aménagé il y a 2 ou 3 ans. Il est magnifique avec des plantations et tout ça. Le parc Mathieu est aujourd'hui un parc où il existe une vie. Une vie d'habitants qui viennent utiliser les aires de jeu, qui viennent se promener, d'enfants, d'écoles qui passent, la cantine le midi et tout ça. Et il n'y a pas vraiment de lieu au milieu du parc où on peut se retrouver autour d'un kiosque. Encore une fois, l'idée du quartier, l'idée du village, alors c'est pas de faire un kiosque, une scène surélevée, c'est d'avoir un bâtiment fermé dans lequel on peut stocker quelques chaises, quelques tables, avoir un petit point d'eau, un point d'électricité. Et toute association ou habitant qui souhaiterait l'utiliser puisse dire bah tiens, moi je le réserve un samedi, un dimanche, et on va présenter notre activité. Au moins, il y aurait un point central, qui est le point d'animation sur lequel les gens viendraient essayer de voir bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, voilà, faire vivre ce point au sein du parc. Alors, l'idée vient d'un voyage en vacances où j'ai vu cette idée de kiosque sur une place, là, sur la place centrale du village, et de mélanger aussi cette culture du Nord qu'on a, le kiosque dans le Nord, alors qui était le kiosque à musique, mais qui était le point de rassemblement. L'idée, elle est là de vraiment de retrouver un petit peu l'esprit quartier, l'esprit le quartier en même temps à l'échelle de la ville, hein, parce que c'est pas simplement réservé au quartier du centre. L'idée vient vraiment de ce parc, qui est un peu peut-être en sous-activité, d'en faire un vrai point d'animation de la ville. D'une, vous pouvez voter pour parce que vous pouvez être intéressé d'utiliser ce kiosque ou intéressé de profiter des activités qu'il va y avoir. Et puis ça peut être le début d'un aménagement, alors j'ai participatif, on espère qu'il y en aura d'autres, et ça peut être le début d'un aménagement de ce parc qui en mérite de faire des choses et des animations. On les fait souvent en centre-ville, bah pourquoi pas les faire au sein de ce parc ? Le forum des associations, des expos, des animations, voilà, ce parc est ouvert à tout le monde et tout le monde pourrait profiter de ce kiosque.